Cette ambition pour la jeunesse, c'est d'abord et avant tout le combat pour l'éducation. À Marseille, nous avons 174 écoles de la ville qui sont considérées dans un état de délabrement tel que l'apprentissage y est devenu impossible. Pour réussir cela, nous allons être à vos côtés. Ce qu'on va faire, d'abord nous avons commencé à vos côtés, on l'a vu ce matin, à rénover les écoles. Pour une quinzaine d'écoles, les opérations menées par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec aussi ce qu'on a mis dans le plan de relance et les dotations exceptionnelles, permettent de financer une quinzaine d'écoles d'ores et déjà. Et puis, c'est de mettre en œuvre ce qui est ce besoin d'avoir un temps scolaire un peu différent. Et donc, je veux qu'on puisse ici innover. Et dans les quartiers où la situation est la plus difficile, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire ? En fait, donner plus de liberté en même temps qu'on donne plus de moyens. Il faut qu'on ait des directeurs d'école à qui on permet d'avoir un peu plus d'encadrement. Il faut que ces directeurs d'école ils puissent choisir l'équipe pédagogique. C'est de vraiment permettre de faire un laboratoire de liberté et de moyens. Un projet pédagogique qui est adapté aux élèves. Ou quand on a beaucoup d'élèves qui sont allophones, eh bien, on doit permettre peut-être d'avoir des aides en plus des enseignants, en plus, d'être doté de moyens, d'adapter les rythmes scolaires pour les enfants, de penser le temps sportif différemment grâce aux infrastructures qu'on veut aussi mettre en place, de penser le temps culturel à côté de l'école différemment et de permettre de le faire, et en quelque sorte d'avoir une équipe qui n'est pas simplement faite d'enseignants, mais de pouvoir d'abord choisir les enseignants qui y sont, être sûr qu'ils sont pleinement motivés et qu'ils adhèrent au projet, ce qui est, je crois, normal parce que c'est dur, et de pouvoir aussi y associer des acteurs extrascolaires qui partagent l'objectif et qu'on puisse commencer dès la rentrée 2022-2023. Et évaluer ensuite ces résultats, et s'ils sont concluants, les généraliser. Alors, il n'y a pas que l'école, il y a le passage de l'école au collège, et dans ces innovations, on le prendra en compte. Mais les décrocheurs sont aussi nombreux après, dans le temps du collège et du lycée. Et d'ailleurs, on a commencé à innover à Marseille avec les micro-lycées. Il s'agit de classes d'une vingtaine d'élèves intégrées au lycée existant. Il en existe une au lycée Diderot, qui réunissent ce qu'on appelle souvent des décrocheurs autour d'un objectif qui est de réussir le baccalauréat. Et cela fonctionne depuis 3 ans. On a 80% des élèves du micro-lycée de Diderot qui ont, par exemple, obtenu leur diplôme et raccroché le système. Et donc, je souhaite que dans le même temps, dès la rentrée 2022, on ait 10 micro-collèges et 10 micro-lycées qui s'installent à Marseille, dans les quartiers les plus en difficulté, où on a nos décrocheurs très jeunes, et qu'on puisse avoir la réponse éducative qui convient.